Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavu Media, le média du développement. Merci d'être en notre compagnie dans cette émission, le scanner, cette émission de débat constructif qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure à ce lundi, premier jour de la semaine si vous êtes en partance au boulot. Merci de votre fidélité. Soyez très très prudents avec les fortes pluies qui s'abattent sur la Guinée, particulièrement sur Conakry. Merci de nous écouter sur la 89.5. Merci de nous regarder sur Kavi TV, groupe Kavi Média, sur les réseaux sociaux Kavi TV, Ganga RTV, qui relaie également cette émission en direct si vous êtes sur Facebook. Merci de nous pratiquer sur la 96.5 en bande FM si vous êtes du côté de l'AB. Merci d'être en notre compagnie sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez regarder ou écouter en direct cette émission. Au menu de ce matin, le week-end a été très très agité pour de nombreuses localités de la Guinée, particulièrement la Basse-Guinée. Les averses qui se sont abattues sur le pays ont provoqué d'énormes dégâts à Dubreka, Fourikaria et Kindia. Plusieurs habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Le trafic routier momentanément bloqué par des éboulements et des eaux qui se sont déversées sur la chaussée. Une situation qui a poussé les habitants des quartiers situés sur le littoral du fleuve Kisi-Kisi à Fourikaria de libérer leurs habitations et de se réfugier dans les écoles de proximité. Aucun cas de mort n'a été enregistré, mais des dégâts matériels importants sont signalés. Ces réalités qui interpellent à la fois les citoyens et les gouvernants. Et puis les anciens contractuels non admis à la fonction publique ne veulent pas accepter le sort qui leur a été réservé. Réunis au sein d'un collectif des anciens contractuels communaux non admis, ils comptent se faire entendre ce lundi. Ces anciens entendent attirer l'attention du président de la transition pour leur engagement à la fonction publique locale. Ils envisagent même une marche pacifique ce matin même dans les rues de Kaloum. Et si tout se passe bien, nous essaierons de joindre depuis Kaloum Elhadj Mamadou Diaka Sow. Il est le porte-parole national des anciens contractuels communaux non retenus. 10 jours, c'est le moratoire donné par le SLEG de son côté version Aboubakar Souma avant de passer à la vitesse supérieure. Cette structure syndicale menace de déclencher une grève générale dans le secteur de l'enseignement si les revendications contenues dans sa plateforme ne sont pas prises en charge par le gouvernement. Dans cette plateforme, le SLEG exige le recrutement et l'engagement des anciens contractuels de Conakry et ceux communaux de l'intérieur en situation de classe non retenue, le paiement des primes des anciens contractuels et de l'intégralité de leur salaire avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024 conformément au protocole d'accord signé en date du 15 novembre 2023. La révision du statut particulier des anciens du pré-universitaire et de l'enseignement technique de la formation professionnelle à l'image de celui de l'enseignement supérieur, l'uniformisation de la prime d'incitation et son paiement à tous les anciens, y compris le personnel d'encadrement, entre autres. Une nouvelle crise qui guette l'éducation guinéenne à quelques semaines de la rentrée des classes. Pour en parler, nous aurons dans ce studio Monsieur Mohamed Bangoura. Il est le chargé de communication du SLEG version Aboubakar Souma. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tomboulia, à Somfonia, à Gbessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les Bombona, dans les Magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon, Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous ? C'est toujours le tour-tour. Hein. Ah bon ? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours, là ? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité ?
Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien ce qu'on ne devrait pas. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Conakry. Tu avais dit une chose très importante en disant que il pleut. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites sur la 89.5 en bande FM, à la télé sur Kavi TV, sur les réseaux sociaux, groupe Kavi Média, Kavi TV, Ganga RTV qui relaie en direct cette émission sur notre site d'information, siaminfo.com. Merci de nous choisir parmi tant. Il faut le rappeler, merci de faire partir de ces auditeurs fidèles, téléspectateurs fidèles de cette émission, le scanner avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. À ma gauche, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Journée pluvieuse hein, ce matin encore. Absolument. C'est jusqu'au 9. Je pense que la météo ne s'est pas trompée hein, de ce côté. Donc ouais. Félicitations à l'ANM, l'ANM hein, l'Agence Nationale de la Météorologie. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Apparemment les Guinéens vont commencer à s'intéresser à ce qu'on appelle météo. On pensait qu'avant météo c'était juste pour décorer la télévision, voir de l'autre côté comment les Français, les Américains, tous les, il n'y a pas de journal. Avant le journal il y a la météo, après le journal la météo. J'espère que nous aussi cette culture va rentrer dans notre quotidien. Puisque tu me tends déjà à la perche, ça va être en tout cas l'innovation du côté de la télé. Et dans pratiquement quelques jours, hein, on va commencer à essayer d'instaurer cette habitude au début à la fin de chaque édition d'information, les données un peu la situation météorologique de la République de Guinée après cette saison pluvieuse, c'est très très important, et également les coûts et devises, parce que le Guinéen ne maîtrise pas souvent, il y a des gens qui vont pour l'échange. Ce sont des réformes que vous verrez dans quelques temps. Je pense que c'est très bien. La météo en général, comme nous on n'avait pas cette culture, on n'était pas lié à ce qu'on appelle inondation dans les temps, on ne connaissait pas c'est quoi la neige, ça va neiger, ça ne va pas neiger. Ouais, on ne cherchait pas à le savoir le plus souvent parce qu'on ne, ça nous intéresse, ça n'intéressait que les Européens ou les Occidentaux en tout court. Mais on se rend compte avec la météo, ça peut nous aider parce que nous avons des pêcheurs qui doivent sortir en haute mer. On doit savoir comment est la mer, est-ce que la mer est agitée ou pas. Ouais. C'est qu'ils doivent voyager également, l'inondation, la météo, le soleil, tout ça. Je pense que ça doit être vraiment à partir de maintenant une partie de nous. On a nos téléphones Android et tout ça. Il faut regarder, ça nous permettra de dire, avant on se moquait un peu de feu du côté de la RTG, qui sont Texan Camara, qui son âme repose en pain, on parlait toujours de lui, et quand la météo, on donne une info, mais c'est le contraire plus souvent, mais bon. La vie, hein. Non, mais je pense que on était, voire même jusqu'à présent, on n'est pas très bien doté en matière de technologie comme les Européens. C'est pour cela parfois ça peut rater. Ouais, ça peut rater. Il faut le rappeler. Tout à l'heure, nous allons essayer de voir cet élément de reportage de Guinée-Boukam, hein, ce décryptage suite à ces fortes pluies qui se sont abattues sur la Guinée. Hein, c'était ce week-end. Nous allons suivre ensemble cet élément pour ceux qui sont à la télé et à la radio. Et derrière, on se retrouve pour le décryptage. Depuis environ 24 heures maintenant, la Guinée enregistre une forte pluviométrie. À la rentrée de Kindia ce vendredi, la chaussée était complètement submergée autour du district de Débéling. Plusieurs champs et habitations inondés à Mambia, le trafic routier interrompu et des cas d'accidents enregistrés. Même scénario à Forêt-Caria sur la route nationale numéro 4. Des inondations ont été signalées dans 3 quartiers du centre-ville, dont Madina, Nasser, Koutoumania, tous situés sur le littoral du fleuve Kissi-Kissi. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants sont enregistrés. Avec le risque élevé pour les ménages, le préfet de Forêt-Caria a demandé aux habitants de ces zones de libérer leur habitation en attendant et de se réfugier dans les écoles de proximité. À Bawa, sur la route nationale du Bré-Kaboké, un éboulement est survenu, bloquant la circulation. Les autorités compétentes sont certes mobilisées pour évacuer les sinistrés, mais invitent à la prudence. Aux dernières nouvelles, la circulation a repris de ce côté. Zach, y'a Essanou. Ça va ? C'est comment ? Bien.
week-end très très agité, hein, il faut le dire, en République de Guinée et Diallo. Nous venons de voir quelques images, hein, en tout cas des zones ou des localités les plus touchées, hein, ce week-end. On parle notamment de Forêt-Caria, de Kindia, hein, il faut le dire, et de Dubrika, hein, la route même à un certain moment qui était bloquée du côté de Bawa. Mais les autorités se sont mis sur leurs grands chevaux et la circulation a été vite rétablie de ce côté. Oui, absolument, ce qui relance le débat sur les infrastructures routières de notre pays, mais aussi l'urbanisation, parce que quand vous prenez les villes de Dubrika, vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a un souci de ce côté-là. Alors, la route nationale numéro 3, numéro 2 ont été coupées à un certain niveau, ouais, par le fait de ces inondations qui, il faut le rappeler, ont submergé plusieurs localités de la basse côte ici. Alors, c'est le cas du pont de Kassa, le pont de Kissi-Kissi. Ouais, mais c'est le vieux pont. Qui a été complètement submergé. Je pense que de ce côté-là, ça interpelle directement les autorités pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut revoir tout cela, parce que c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ces arts d'inondation il y a de cela quelques années, mais puisque c'est devenu quand même, ce sont les effets directs du réchauffement climatique, il faut en tenir compte. Je pense qu'aujourd'hui, on a dénombré plusieurs localités et plusieurs maisons qui ont été complètement englouties par ces eaux de ruissellement là. Donc c'est des citoyens qui sont aujourd'hui complètement, disons, dans une situation absolument disons difficile et délicate, parce que les vivres qu'ils avaient dans les maisons ici ont été complètement emportés par les eaux. Donc c'est un débat qui se pose là. De l'autre côté, c'est sur la nationale Conakry-Kindia, au niveau du Kouria, vous vous rappelez effectivement à la sortie des Koya, il y avait aussi un problème, l'éboulement aussi de ces côtés-là. Et ça, c'est la deuxième année, ça se passait pour, dans les années 2019-2020, ça se passait, ça relance effectivement la construction ou tout au plus la mise en place de cette route-là. Vous avez, c'est toute une, pour ne pas dire une montagne, mais c'est des collines qui sont un peu partout, aux alentours, et qui nécessitent ce qu'on appelle un rabotage de la part de ceux qui ont pu, disons, mettre en place ces projets-là. Donc, ça se passe à tout bout de champ et ça a créé ce qu'on appelle des problèmes, parce que les conséquences, on reviendra là-dessus, qui ont engendré, disons, cet éboulement-là, ce que Conakry, à un certain niveau, a été complètement coupé des autres villes. Alors, conséquence que beaucoup de légumes, beaucoup de produits n'ont pas pu, disons, être achevés en temps réel à Conakry ici, ce qui a expliqué effectivement par endroit le manque de ces aliments-là. Je crois que hier, pour ceux qui quand même, en tout cas pour ceux qui sont dans la zone de Ratoma et Bessia, il n'y avait pas de piment dans les marchés, il y avait un manque criard de piment un peu partout. Ce week-end. Félicitations. Non, loin de là. Non, je comprends que la dépense a augmenté ce week-end. S'il te plaît. Je n'y étais même pas. J'ai passé le week-end à Donka. Oui, mais moi, après. J'étais quelque part. Oui, je suis revenu à la maison vers les 22h comme ça. C'est à Donka que j'ai appris cela. Je suis allé quelque part ici, au camp Kamayen, pour prendre mon petit déjeuner. C'est là. Vous savez très bien qui je suis. Je suis très fan du piment. On m'a dit qu'il n'y a pas de piment dans les marchés. Maintenant, j'ai demandé madame pour confirmation, c'est elle qui m'a confié effectivement qu'il n'y en avait pas. Donc je pense qu'il faut pouvoir interpeller les autorités pour pouvoir revoir tout cela. Et c'est cela aussi, gouverner, c'est de prévoir. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à ces multitudes d'inondations ici et là, dans certaines mêmes préfectures très éloignées de la capitale. Mais je pense que c'est important de pouvoir revoir tout cela. Plusieurs personnes, c'est vrai que à la limite, à la différence de certains états où nous assistons à des centaines de pertes en vies humaines, chez nous ici, il y a eu beaucoup plus, de dégâts matériels que de pertes en vies humaines. Ouais. C'est quelque chose qu'il faille souligner, mais je pense qu'il faut revoir tout cela et prévoir des éventuels cas qui pourront effectivement toucher les uns les autres. Je pense que c'est fondamental de revoir tout cela. Bien. Oui, Mohamed Ba, quand même, l'ANM, l'Agence nationale de météorologie, avait quand même signalé cela du 6 au 9, des averses sur toute la Guinée. Il fallait quand même faire très attention. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ce sont des zones aujourd'hui qui étaient inondables de par le passé, qui continuent encore à enregistrer des inondations. Donc ça veut dire tout simplement que l'État, de part et d'autre, n'a pas pris sa responsabilité.
l'État n'a pas pris sa responsabilité, mais nous aussi, habitants, citoyens guinéens, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Sinon, je suis sûr que ce soit avec les nouvelles technologies de l'information ou je suis, je ne sais pas avec quel autre moyen, nous savons aujourd'hui ce qui se passe vraiment un peu partout dans le monde. Nous savons très bien avec les anciens, on peut savoir dans telle localité on peut construire. Par contre, d'autres, il ne faut pas construire parce qu'on savait il y a telle saison, tel nombre d'années, l'eau arrivait jusqu'à ce niveau. Maintenant, il y a un changement. Ne pensez pas seulement que c'est les technologies seulement qui sont beaucoup plus pointues pour pouvoir nous aider. Les anciens aussi avaient des repères, savaient, pouvaient dire à tel endroit, quand vous construisez, il faut tenir compte de tes réalités. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'on a abandonné beaucoup de choses. Les conseils ne servent plus à grand-chose, ne servent presque à rien. Et ça, le constat, il est général. À Conakry, on parlait beaucoup plus de construction anarchique. On parle des ordures qui sont jetées dans les caniveaux. Et cela empêche vraiment l'écoulement des différentes eaux, que ce soit de pluie torrentielle ou de ruissellement. Je pense que ce problème existe. On se rend compte aujourd'hui que ça a dépassé ce niveau de construction anarchique, mais également que ça a dépassé au niveau des ordures. Il faut voir ce qui se passe. Il y a le changement climatique dont on parle aujourd'hui, le dérèglement climatique qui se passe. Je crois que nous avons l'obligation, ce n'est pas pour faire plaisir à une autorité ou pas, c'est une question de survie. C'est une question de survie, donc nous avons cette obligation de bien veiller où nous devons construire, où nous devons mettre les pieds aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte, même dans certaines localités, si on vous dit laisser une distance de ceux qui construisent près des cours d'eau, laisser 30 mètres, 40 mètres, je pense qu'il faut observer 100 mètres au-delà. Parce que ce qui est en train de se passer, personne ne peut maîtriser ça aujourd'hui, ce qui est en train de se passer un peu partout. Ce n'est même pas propre à la Guinée, ni au pays en Sud-Sahara, mais même au pays, dans les pays sahéliens où il ne pleut pas. On se rencontre en Algérie, au Maroc, qu'on parle d'inondation, alors que là-bas, il n'y en a pas du tout. Au Mali, au Tchad. Au Mali, au Tchad, dans tous ces pays sahéliens, on se rend compte qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le changement climatique, comme on l'a toujours annoncé avec ceux qui ont des satellites, ceux qui font des recherches tous les jours, on se rend compte que ça va être compliqué et que c'est les pays au sud, les pays africains, les pays de l'Amérique latine, les pays asiatiques qui vont prendre beaucoup plus de coups. Mais on se rend compte que c'est un peu partout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'on puisse vraiment minimiser les dégâts, pour qu'on ne soit pas confronté à des problèmes? Nous, on peut dire, c'est vrai qu'il y a, on parle de routes coupées par endroits, parfois, même si on arrive à rétablir, on voit des maisons inondées, mais on parle moins de pertes en vies humaines. Si on parle de 2 ou de 3, c'est à ce niveau qu'on peut s'arrêter. Alors que par contre, dans d'autres pays, c'est des centaines de morts qu'on parle le plus souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous aussi, qu'on n'arrive pas à continuer à enregistrer des cas de mort? C'est de veiller où on doit construire. Ceux qui ont construit dans des localités qui sont inondables, déclarées inondables, que ce soit par les autorités ou par les anciens même dans nos villages, on doit comprendre que c'est fini, qu'on n'est plus confronté à ces problèmes. On parle de le prix des denrées de première consommation ou les denrées le tout court dans, à l'intérieur du pays qui desservent la ville de Conakry. Mais c'est une réalité que nous avons. Prenons, moi je connais un peu du côté de Koya, du côté de Kiria. Le pont de Kiria, pour arriver là-bas, c'était complètement coupé. Des deux côtés, il n'y avait pas de possibilité. Et ceux qui travaillent de ces localités, que ce soit avec des fermes et autres, vraiment, les denrées n'arrivaient pas à Conakry. Donc ça, c'est un problème que nous avons. Il faut une obligation de la part des autorités, qu'on essaye vraiment de fermer les yeux, mais qu'on essaye de taper dur pour qu'on sache où on doit construire et où on ne doit pas construire. Cela, le travail ne doit pas être un travail isolé. Il faut faire un travail avec l'agence, vraiment, du côté des catastrophes, des partenaires. L'ANGUCH, qui doivent faire ce travail. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la sécurité, la police, l'ensemble de ces autorités, pour qu'on sache vraiment où on doit construire. Parce que la vie n'a pas de prix. Bien. Vous pouvez perdre une maison ou des maisons, mais enregistrer des pertes en vie humaine, je pense qu'on ne peut pas remplacer, voire c'est très compliqué à remplacer. Donc il faut qu'on se réveille, qu'on essaie de voir, qu'on arrive à un moment où c'est très compliqué, et ça va être très compliqué parce que cela a été annoncé depuis des années. On en parle, changement climatique, on pensait que ça ne concerne pas la Guinée parce qu'on voyait d'autres, on pensait toujours que c'est les autres qui sont concernés, pas la Guinée, mais aujourd'hui c'est arrivé. Les préfectures qui ne sont pas touchées cette année, les quartiers qui ne sont pas touchés, il faut faire beaucoup attention. Si on ne prend pas des mesures qu'il faut, l'année prochaine, on ne sait pas qui va être touché, quels sont ceux qui vont être touchés. Donc il est temps de se réveiller, mais l'État aussi de faire un travail
professionnel, un travail technique vraiment approfondi pour qu'on arrive à limiter les dégâts. Il faut parfois, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut voir quelles sont les zones inondables. Qui a commencé à construire ? Désolé, mais il faut enlever. Parce que d'abord, ceux qui seront dans ces maisons seront touchés. Mais du fait que vous avez construit là, vous avez barré la route à l'eau, ça peut toucher d'autres personnes qui ne sont pas dans le lit du fleuve ou qui ne sont pas proches de ces localités inondables. Mais malheureusement, du fait que vous avez barré, d'autres personnes ou d'autres citoyens seront touchés. Donc il est temps qu'on se réveille pour qu'on sorte de cette situation ou qu'on ne soit pas trop victime de ces inondations qu'on enregistre un peu partout aujourd'hui. Se réveiller pour sauver des vies, hein, sauver aussi le matériel aujourd'hui qui est difficile à acquérir, hein, parce que la crise économique perdure, hein, il faut le dire, elle perdure trop. Mohamed Leba qui nous rejoint, bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Vous avez suivi l'actualité ce week-end, ce sont ces fortes pluies qui se sont abattues sur la Guinée avec un éboulement et des inondations enregistrées en Basse-Guinée. Oui, évidemment, c'est la mauvaise nouvelle qui quand même a un peu, disons, arrosé notre week-end par rapport à la Guinée. Et vous le savez, souvent, on parlait de ce qu'on appelle le dérèglement climatique, on parlait de changement climatique. En fait, c'est comme si quand on nous avait annoncé le coronavirus, à un moment donné, tout le monde pensait que c'était de la blague, tout le monde pensait que c'était vraiment, faire diversion. Et pourtant, c'est la réalité. C'était au 19e siècle, si on disait que les phénomènes étaient assez naturels par rapport au changement climatique, aujourd'hui, c'est que c'est l'être humain lui-même qui est en train de provoquer réellement, c'est-à-dire cette colère de la nature qui est un peu assimilée au changement climatique. Le changement climatique, tout court, c'est que c'est une variation, une variation hydrologique, comme ça peut être aussi une variation météorologique par rapport à une perturbation et autres. Mais qu'est-ce qui cause cela? Il faut se dire aujourd'hui la vérité par rapport à cela. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut obligatoirement gagner de l'argent, c'est-à-dire dans la coupe abusive des bois, c'est-à-dire dans les feux de brousse et autres. Parce que c'est ce qui nous, aujourd'hui, nous amène à vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec ce dérèglement climatique, même à des endroits où on ne pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir d'inondations, qu'il pouvait vraiment y avoir de montées d'eau, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous regardez le cas Kindia, quand même ça fait plusieurs années où rarement on enregistre des cas d'inondation aussi, c'est-à-dire volumineux en Guinée. Hein? En Guinée, et ça, il faut le dire. Parce que Débélin, quand même, a été coupé. A été carrément coupé. Il faut se dire que la Guinée, même quand on prend Conakry. Il faut dire que c'est Kindia qui était coupé de Conakry. Après Débélin, après il y a Bambia. Mais Débélin, c'est une première fois. C'est ce que je dis. En fait, ça va encore beaucoup plus étonner les gens quand ce sera encore continuel dans les années à venir, si on ne prend pas des mesures idoines par rapport à cela, si on ne cesse pas d'agresser la nature. Parce que la nature, à un moment donné, c'est vrai, elle est belle, elle est tout et haute, elle nous donne tout ce que nous voulons, si on continue de l'agresser. Parce que souvent, ce sont des actions anthropiques, c'est-à-dire des actions initiées par l'homme lui-même qui sont en train de nous créer aujourd'hui ces problèmes-là. Cela passe par des coupes abusives du bois. La construction anarchique, parce qu'aujourd'hui, par rapport à la coupe abusive du bois, parce que là, il faut interpeller le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, les autorités, parce que ce sont elles quand même qui peuvent nous aider un peu dans ce sens-là. C'est vrai que le ratio aujourd'hui en termes de couverture de l'ensemble du territoire national, le ratio n'est pas comme ça, parce que si vous prenez les gardes forestiers, ils ne sont pas aussi nombreux qu'on puisse quand même couvrir toute la Guinée. Il faut, dans ce sens-là, qu'il faut un travail en amont, parce que si ces gardes forestiers sont là et ils peuvent empêcher, dans certaines préfectures, surtout réputées pour cette question de coupe abusive des bois, nous débarrasser un peu de cela ou nous éviter le pire. De l'autre côté, par rapport au cas de la colline qui s'est affaissée du côté de Djoumaya, il faut se dire que, bon, enfin, c'est pas
c'est pas une première et c'est compréhensible aussi parce que si vous voyez carrément la position géographique, disons, de cet endroit-là, vous allez comprendre que presque la colline est surplombée la route. Donc ça veut dire que d'un moment à un autre, avec cette pluviométrie aujourd'hui intense, c'était prévisible que ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos routes qui ressemblent, c'est-à-dire à des fils ou des cordes, parce que ouais, c'est tellement rétréci, c'est tellement petit ces routes-là, vous ne pouvez même pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait quand même deux camions qui puissent passer en toute vitesse. Et encore une fois, c'est vrai que l'État est moins responsable par rapport à ce dérèglement climatique parce que tout simplement c'est un phénomène naturel, tout simplement c'est un phénomène anthropique, ouais, parce que l'État n'est pas lui qui est quand même en train de couper ces bois dans toutes ces différentes forêts-là aujourd'hui. Mais l'État peut interdire, Mohamed. L'État a toujours interdit, il faut le dire. C'est pas interdit. L'État a toujours interdit. Interdit. La coupe abusive du bois, et c'est... Et quand ça continue, ça veut dire qu'il y a là l'État certains complices. C'est pourquoi ce que je vous dis aujourd'hui, l'État est dans l'incapacité parce que si vous regardez le ratio en termes de couverture concernant les gardes forestiers, l'État en souffre beaucoup. Récemment, on a assisté à un concours concernant le recrutement des gardes forestiers. On ne sait pas encore parce que l'ancien ministre de la fonction publique nous disait qu'il lui-même il n'a pas vu ces résultats-là. Donc on ne sait pas encore. L'État a besoin de ces gens-là. Si on a ces gens-là aujourd'hui, ça peut nous aider quand même à cadrer un peu cette coupe abusive du bois et puis réduire un peu le phénomène qui est en train aujourd'hui de prendre une ampleur et qui ne dit pas son nom. Si ça continue comme ça, l'année prochaine, si il y a encore des perturbations météorologiques, je crois que le pire ne serait pas à éviter si on ne prend pas garde dès maintenant. Là. Ouais, il faut prendre garde dès maintenant. C'est important parce que tout ce qu'on dit là, Yaya vient de le rappeler, l'État doit interdire, mais même Dieu, hein, excusez-moi du terme, est désavoué par moment. Il y a des choses qui sont interdites, mais désavoué, il y a des choses qui sont interdites, mais des Guinéens, des humains se permettent de le faire. Ce n'est pas parce que c'est interdit qu'ils ne le font pas, mais on doit mettre tous les moyens pour minimiser les risques d'inondation, pour minimiser ce que l'être humain peut faire. Il y a l'être pour humain, preuve même, est un être têtu. Nous sommes dans la période de repos biologique. Oui. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas terminé, de coupe. Qui est terminé. Ça, c'est pour des espèces halieutiques. Oui, je parle maintenant du cadre environnemental. Oui, la coupe, le transport du bois, c'est jusqu'à présent de mise. Il faut dire, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, c'était encore dans la même émission ici où on critiquait, c'est-à-dire le transport ici du bois à travers les ports de certains ports de Conakry. Ouais. Vous voyez, ça quitte l'intérêt du pays. Et j'avoue que ça continue. Vous voyez, c'est parce que, en fait. Et la responsabilité à qui? La responsabilité est partagée. Les responsabilités sont partagées. Par rapport au feu de brousse, c'est compliqué. Il y a plusieurs catégories de coupes du bois. Vous pouvez prendre des bois, par exemple, pour la menuiserie et les feux de brousse. Au fait, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de causes qui peuvent décrire réellement ce dérèglement climatique, ce dérèglement hydraulique, il faut le dire aussi, parce que dérèglement climatique, c'est ce qui conduit au dérèglement hydrologique et malheureusement, c'est ce que nous sommes dans. Oui, en une minute, on a un invité qui passe. En une minute comme à mille, je voulais dire que tout ce qui se passe aujourd'hui relève naturellement de la responsabilité de l'État. Parce que on parle de dérèglement climatique et nous connaissons les conséquences qui sont liées à cela. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Ça, c'est la vie d'Abdallah, c'est ma vie, c'est la vie de tout le monde. On ne peut pas badiner avec cela. Si l'État prend des mesures pour pouvoir interdire la coupe du bois sur toute l'étendue du territoire national et qu'il y ait des déviants qui se sont soustraits de cette mesure-là, je pense que la loi devrait s'appliquer à ces gens-là. Je vis un peu partout, ça continue, ils continuent à traîner ce qu'on appelle de bois, notamment les matériers que nous... L'État continue de saisir. Laissez-moi vous dire, le drame chez nous, c'est que le même État qui interdit, c'est le même aussi qui est complice de cette déviance-là. Je pense que naturellement, il faut le souligner, par certains responsables, effectivement, de certains services. Non, c'est fondamental. Merci. Puisqu'ils agissent au nom de l'État, vous ne pouvez pas, à un certain niveau, quand l'État décide de faire respecter une mesure,
Tenez-vous bien, Abdallah, ça va être respecté entièrement et dans la lettre. Bien, ce qui est déjà compris, hein, et il faut le dire, hein, c'est vu. Hein. Allez, on va revenir hein, sur ce sujet peut-être dans nos prochains numéros hein, au compte de cette émission. Allez, on enchaîne toujours hein, par rapport à ces auditeurs et téléspectateurs qui interviennent également hein, sur le 629-95-67-67. Bonjour cher chroniqueur, pendant qu'on y est, je vous informe que le pont de Sambaya d'Akoya va bientôt couper Forikalia du reste du pays. Ce pont est éventré depuis 2 semaines, il est temps d'agir. C'est Bella Kamanou qui nous laisse cette réaction. On a fait un reportage, mais Ansou a été là-bas, Ansou a fait un reportage la semaine dernière. Mais après, il faut encore les interpeller parce qu'on a l'impression que l'État ou le gouvernement, jusqu'à présent, quand même, on n'a pas vu, excusez-moi, cette pub gratuite, c'est la Giroud qui n'a pas fait de constat de ce côté depuis que nos reporters sont passés au l'éboulement. Moi, je vous ai toujours parlé de la Giroud. Hein. C'est des preneurs de photos. Ce sont des preneurs allez, de photos. Allez, tu ne vas pas me mettre dans cette danse. Non, mais c'est clair, Abdallah. On enchaîne avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629-95-67 deux fois. L'incontournable communicant, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Silaru 15, Abdallah, le numéro 1 des auditeurs du scanner, mon grand patron, honorable Omar Jo Bébé Tosidibé. Si l'État ne viennent pas au secours de la route de Koya rentrant dans la grande ville. Dans 4 mois, la route sera coupée de Conakry. Et il le dit, M. Silaru 15, Abdallah, le ridicule ne tue pas. L'unique secrétaire général du SLEG qui est reconnu par l'État guinéen, c'est Dame Kadiatou. Non, tu ne vas pas te mettre dans cet amalgame. On a dit version Aboubakar Souma, hein, M. Silaru 15. Vous n'allez pas nous mettre dans l'amalgame là ce matin. Allez, on enchaîne. Bonjour Kavi FM, c'est Djibril Souma depuis Koya, Wankifon Carrefour. Je pense qu'il y a un dérèglement climatique qui se fait sentir un peu partout dans le monde. Mais pour le cas guinéen, il faut trouver des solutions aux constructions anarchiques pour éviter d'éventuelles inondations qui causent souvent des pertes en vies humaines. Écrit-il, on enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Notre ambassadeur Alpha Zidane Gallo depuis Kiroti. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Et bonjour chez moi à Guiguel, Sadamiti Dalaba. De nos jours, pour être au rendez-vous de la rendez-vous météorologique, il faut se doter des appareils pouvant permettre aux uns et aux autres de donner une information fiable à l'instar des autres pays du monde. Cela dit qu'un État, c'est celui-là qui anticipe et qui prévoit. Il faut être exemplaire comme un bon père de famille. On a toujours dénoncé, vous et nous, ne cessons de leur faire comprendre de cette situation pluviométrique qui endeuille des familles et trouver nécessité à une politique d'urbanisation de la ville élargie à l'intérieur du pays. Mais hélas, c'est la Guinée, nos dirigeants, tant que leurs familles ne sont pas touchées, ils s'en moquent comme leurs premières chemises. C'est dommage. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Kiroti qui nous laisse cette réaction. Bonjour les grands journalistes, moi c'est Abdallah Kamara depuis Sangoya. Par rapport aux inondations que nous avons remarquées, les derniers moments sont les conséquences des changements climatiques, une notion qui est gravement ignorée par les Guinéens qui interpellent tout un chacun à une prise de conscience pour un changement de comportement, surtout dans les zones dites inondables. Que Dieu nous protège et bonne réception à tous. Merci pour la fidélité. Bonjour chers journalistes, laissez-moi vous dire que ces inondations sont dues au manque de bons lotissement. Nous savons tous que l'État n'a jamais pris ses dispositions pour faire le lotissement dans les règles de l'art. Le changement climatique aussi fait partie de ce fléau. En ce qui concerne les anciens contractuels, le gouvernement n'a qu'à respecter sa part d'engagement. Ah, ma belle Guinée, que Dieu t'accompagne car tu es une terre bénie. Hein, Mando, depuis Dabundi, fidèle auditeur de cette émission qui nous laisse aussi cette réaction. Notre Gambouria national, salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Ndintin Gambouria d'Akama, dans mon village natal. Une pensée positive à Seibou Texan Kamara, le premier météorologue de notre pays qui nous émerveillait autant des écrans blancs que son âme repose en paix. Amen. Mais qui est le DG actuel de notre météo? Allez, Gambouria. Les citoyens agressent totalement la nature. Cette semaine aussi, il y a beaucoup de risques d'inondation. Évidemment,
évidemment, il faut le dire, mais qu'Allah nous sauve et qu'il nous protège. Et l'autre, hein, le président de Hamidou Bari, hein, qui nous laisse cette réaction. Bonjour mon cher Abdallah, si les dispositions ne sont pas prises pour faire la route Kagbelin-Tanéné, cette partie aussi risque de se couper de Conakry, partout des gros porteurs en panne sans issue ni solution. Hamidou Bari, qui est leader politique et qui nous laisse aussi cette réaction. Bonjour le scanner, c'est monsieur Touré depuis Dabondi 2. Je pense que la population est en train de récolter non seulement l'incompétence de l'État, mais aussi leur civisme. La nature a horreur du vide. Bon courage aux victimes. Merci de penser à toutes ces victimes. Bonjour les patriotes. Bonjour Fria, ma ville natale. Je pense bien que c'est la première fois que la Guinée enregistre ces dégâts pareils causés par les pluies torrentielles. Donc, c'est le bon moment de prendre des précautions pour éviter ou minimiser les dégâts pour l'année prochaine. De passage, il y a une énorme baleine noire qui s'est échouée sur l'île Matanko ce dimanche. C'est du côté de Forikaria. La population doit tout faire pour sauver l'animal ici à Gawi. C'est une alerte que nous avons aussi vue sur les réseaux sociaux ce matin, puisqu'il y a quelqu'un qui confirme dans l'information. Bonjour ma radio, notre route se dégrade de jour en jour. Qu'est-ce qu'on fait pour mériter ça? Et mon pays, la Guinée, que Dieu sauve la Guinée. Amine, je salue mon journaliste Abdallah. Bonne journée à vous, Barbari, informaticien depuis Taniri. Hein. Allez, on a assez de côté. Hein. Il nous parle encore de ces soucis techniques que nous essayons de corriger chaque jour un peu plus. Bonjour, cher ami, c'est Abdoulaye Sodim Simon Boussia. L'État guinéen doit penser à délocaliser la capitale Conakry car elle est située dans une zone dangereuse. Les principales causes de ces inondations et éboulements sont dues à 90% de constructions anarchiques. Les chefs quartiers et autres doivent répondre devant la loi car c'est eux qui vendent les parcelles aux citoyens. Tant que ce n'est pas fait, moi, je ne vois pas de solution pour notre pays. Chef de quartier, oui, mais que dire de ceux qui donnent des documents, hein? Allez. Bonjour Kavi Media. Parlant de ces inondations, le rôle premier revient à l'État qui peut interdire toutes ces activités illicites et la seconde revient à la population. Dernier SMS avant de poursuivre cette émission. Abdallah, il y a un auditeur malgré son handicap aveugle, Herma Kono Mohamed, chaque matin il vous écoute, signé l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, monsieur Silla de rue 15. Merci pour la fidélité, cher auditeur Herma Kono, hein, qui est un nom voyant mais qui suit chaque matin cette émission. Une pause derrière, nous parlons d'éducation. Oui, Mohamed, vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je voulais juste ajouter, c'était par rapport à ce communiqué, à ce message qu'on lit sur l'agence, sur l'agence nationale. C'était jeudi, hein, tu de la météo. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, causé par les fortes précipitations, les 24 et 25 août dernier, sont dans tous les esprits. L'agence nationale de la météorologie ANAM prédit des conditions climatiques potentiellement dangereuses du 6 au 10 septembre. Oui. Sur sa page Facebook, l'ANAM indique que ces précipitations résultent de la mousson et d'un système dépressionnaire actif sur l'océan Atlantique. Les risques d'inondation dans les zones vulnérables sont particulièrement élevés entre le 8 et le 9 septembre. Par conséquent, l'Agence nationale de la météorologie appelle la population à une vigilance accrue et de s'informer de près sur les prévisions météo afin de se mettre à l'abri des dangers liés aux fortes averses. Je pense qu'il est important de revenir sur ces éléments. Ce n'est pas dit que c'est fini. La météo, cela veut dire ça continue encore. Nous sommes exposés, chacun là où nous sommes, chacun doit faire attention pour que vraiment qu'on arrive à minimiser les dégâts. Une pause derrière, nous parlons d'éducation avec notre invité et un que nous allons essayer de joindre depuis Kaloum. Nous parlons de la situation des anciens contractuels communaux non engagés à la fonction publique locale. C'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tomboulia, à Somfonia, à Gbessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les Bombona, dans les Magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon, Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour-tour. Hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours, là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité?
Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien ce qu'on ne devrait pas. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Conakry. Tu avais dit une chose très importante en disant qu'il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Oui. Est-ce que Swapit est une arnaque? Oui. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, oui. Mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, Kaleta, Swapit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Oui. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tombolia, à Somfounia, à Gbestia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les Bombona, dans les Magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bamoumed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour-tour. Hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien ce qu'on ne devrait pas. Non, c'est Conakry. Eh voilà. Conakry. Tu avais dit une chose très importante en disant qu'il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Oui. Est-ce que Swapit est une arnaque? Oui. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, oui. Mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, Kaleta, Swapit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Oui. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tombolia, à Somfonia, à Gbestia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les Bombona, dans les Magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bamoumed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites dans vos différents véhicules. Vous êtes dans les bars, cafés, ici même à Imbaya, le quartier qui abrite un autre siège. Merci de votre fidélité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, 10 jours, c'est le moratoire donné par le SLEG version Aboubacar Soumah avant de passer à la vitesse supérieure. Cette structure syndicale menace de déclencher une grève générale dans le secteur de l'enseignement si les revendications contenues dans sa plateforme ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Mohamed Bangoura. Il est le chargé de communication du SLEG version Aboubacar Soumah. M. Bangoura, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Merci. On parle de cette grève générale illimitée hein, dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire que vous voulez déclencher les jours à venir si votre plateforme revendicative n'est pas prise en compte. Pourquoi vous avez attendu maintenant? Bien, vous savez que les fédérations syndicales de l'éducation ne sont fortes que lorsque les enfants et les enseignants sont présents dans les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire, ainsi que professionnels techniques et supérieurs. Pour le moment, nous ne parlons pas de grève. Nous avons réactualisé la plateforme revendicative qui est restée lettre morte face au ministère du Travail et de la fonction publique. À sa prise de fonction, le ministre François Bruno nous avait fait appel tout en nous demandant un temps moratoire, le temps pour lui de mettre en place ses services techniques pour l'ouverture d'un couloir de négociation. Mais très malheureusement, nous nous sommes dit que ce ministre voulait gagner en temps et nous aussi étant conscients que
de la quiétude sociale. Nous n'avons pas voulu perturber le déroulement des épreuves et des examens nationaux. C'est pourquoi nous avons attendu non seulement la publication des résultats de ce concours des enseignants contractuels communaux en situation de classe. Et voilà, puisque le gouvernement n'ayant pas profité de ses vacances ici pour l'ouverture d'un couloir de négociation afin de trouver une solution face à cette plateforme revendicative, nous l'avons réactualisé, mais cette fois-ci avec 6 points à l'intérieur. Et dès que nous avons déposé cette plateforme revendicative, nous avons reçu l'appel du ministre du Travail et de la Fonction publique qui avait fixé un rendez-vous, mais très malheureusement, à l'heure indiquée, il ne prenait plus les appels. Donc nous nous sommes dit que certainement, il minimise le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, croyant qu'il a une fédération pour pouvoir le permettre ici d'échapper à l'âme la plus fatale issue du syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée, puisqu'il veut aller vers un bras de fer. Nous aussi, nous allons lui servir ici un plateau d'or, ce que c'est que le bras de fer. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre à un bras de fer entre le SLEG version Aboubacar Souma et le gouvernement. Rectificatif, il n'y a pas de SLEG version Aboubacar Souma. Vous le savez autant bien que moi que le syndicalisme, c'est la représentativité. On essaie de vouloir continuer à diviser le SLEG, mais nous, nous ne sommes pas divisés. Quel que soit le départ de certains membres qui étaient autour du camarade secrétaire général, parce que nous, nous étions au nombre de 27. Si 5 personnes se sont désolidarisées du bureau exécutif national, nous, cela ne nous fera ni chaud ni froid. Nous savons que nous, derrière nous, il y a la base qui parle du syndicalisme, parle de la représentativité. Donc, nous attendons à ce que les ministères en charge de l'éducation et le ministère du Travail et de la Fonction publique adressent un courrier dans lequel ils vont accepter de rencontrer les membres du bureau exécutif national du SLEG, faute de quoi nous allons déposer un préavis de grève de 10 jours évreux, toujours pour donner une chance ici à la négociation. Si toutefois, le gouvernement, à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique, restait sourd à cet appel-là, en ce moment, nous serons dans l'obligation, après consultation de la base, de faire recours à l'arme la plus fatale du SLEG, qui est la grève. Alors, c'est une évidence, il y a un bicéphalisme au niveau du SLEG. Pour preuve, il y a de cela quelques mois, il y avait quand même des tractations qui étaient en cours pour pouvoir rabibocher vos positions. Dites-nous à date, est-ce que toutes ces démarches-là ont échoué? Vous avez vu que, vous savez, au départ, lorsque ce groupe de personnes, quand nous avons octroyé le titre des membres de droit, a voulu s'opposer au camarade secrétaire général Aboubacar Souma, nous leur avons dit et fait comprendre que la question du SLEG n'est pas la priorité. La priorité, c'est au niveau de la centrale. Parce que chacune de ces positions appartient ici à une centrale. Si vous voulez réellement une réconciliation sincère et une unification du SLEG, il faut d'abord songer à l'unification de la maison mère, qui est l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Et vous avez vu que le mouvement syndical, à travers sa coordination nationale, avec à sa tête le camarade secrétaire général Amadou Diallo, avait déjà posé les jalons avant de se retrouver à Genève. Et à l'issue de cela, vous avez vu qu'un compromis a été trouvé entre les deux leaders de ces deux fractions. Chacun des deux a accepté le jumelage des deux bureaux. Et à Genève, il était question de mettre un bureau à l'image de la CSI Afrique, ce qui a fait que le camarade Abdoulaye Sow a été élu président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée et le camarade Abdoulaye Camara, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ce qui va obliger désormais le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à aussi faire la même chose que l'USTG. Donc, une rencontre la semaine dernière a été faite entre le secrétaire général Aboubacar Souma et la secrétaire générale Kadia Touba. Chacun d'eux a demandé de donner un temps afin d'expliquer le bien fondé de cette réconciliation à leurs bureaux respectifs. Donc, à l'issue de cela, je pense qu'un compromis sera trouvé, mais la question va se situer au niveau de la tête du SLEG. Et nous voulons l'amélioration des conditions de
vie et le travail de l'ensemble des travailleurs du système éducatif, raison pour laquelle nous serons dans l'obligation d'obliger les deux parties, c'est-à-dire le secrétaire général Aboubacar Souma et la secrétaire générale Kadia Touba, de conjuguer les mêmes verbes. Faute de quoi, nous prendrons nos responsabilités. Bien, faute de quoi, vous allez prendre vos responsabilités. Est-ce que le préalable fondamental, c'est pas d'aller vers cette réconciliation à l'interne avant de faire face à l'État? Est-ce qu'en étant divisé, vous pouvez obtenir quelque chose vis-à-vis de l'État? Depuis 2018, à commencer même de 2017, lorsque le régime déchu a procédé à cette division, vous avez vu que le SLEG a lui seul, avec à sa tête le camarade secrétaire général Aboubacar Souma, a pu obtenir... Mais les choses ont changé. Vous aussi, vous avez pris... Oui. Vous aviez quitté Aboubacar Souma à un certain niveau. Quand vous posez une question, il faut me laisser aller jusqu'au bout. Non, c'est une précision. Allez-y, on va aller. Vous aurez dû m'écouter. Depuis 2017, vous avez vu que le SLEG a lui seul a pu obtenir le pays de ses 40% avec effet rétroactif. Nous avons obtenu quelque chose. Revenant maintenant à la question de dire qu'à un moment j'avais quitté Aboubacar Souma, j'étais sur le coup d'une sanction que j'ai jugée arbitraire. Mais cela ne m'a pas empêcher de continuer à militer au nom du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. C'est cette précision qu'il faudrait apporter à vos auditeurs. Il est vrai qu'une décision a été prise contre moi sur la base ici d'une accusation mensongère. Et mais puisque Dieu est celui-là qui nous a appelons vérité et pardonneur, vous avez vu que le camarade secrétaire général, ayant compris ce qui s'était passé, a demandé à ce que tout le monde revienne. Comprenez que je n'ai pas quitté le SLEG. Il y avait un malentendu entre le camarade secrétaire général et moi. Si j'avais quitté le SLEG, peut-être qu'on aurait pu me voir dans une autre fédération syndicale de l'éducation. Mais j'ai toujours crié haut et fort que je suis un membre élu et qu'un élu ne pouvait pas exclure un élu. Je suis resté fidèle ici au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et nous aurons très bientôt à la satisfaction des travailleuses et travailleurs du système éducatif guinéen un bureau unique. Par rapport à cette réconciliation entre Aboubacar Souma et Dama Kadiatou, ce n'est pas une première tentative de réconcilier les deux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne espoir que c'est le bon moment? Eh bien, l'espoir, c'est quoi? Regardez au-dessus de vous, vous verrez que les deux bureaux de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée se sont unis, ce qui oblige les deux bureaux du SLEG aussi a fait la même chose. À partir du moment où le camarade Abdoulaye Sow est président de l'Union syndicale et que le camarade Abdoulaye Camara en est le secrétaire général, les camarades secrétaires généraux Aboubacar Souma et Kadia Touba sont dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, de mettre de côté les divergences et de regarder dans une même direction pour le bonheur de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du système éducatif. Bien, revenons carrément au sujet du jour, puisqu'on parle d'enseignement d'enseignants contractuels. Aujourd'hui, j'ai posé la question la dernière fois, vous défendez l'enseignement ou l'enseignant? Parce que, à vous entendre, il faut recruter tous ces anciens contractuels communaux. Est-ce que dans votre plateforme, il était dit qu'on ne devrait pas passer par un concours? Bien, nous n'avons pas, dans un premier temps, déposé une plateforme revendicative dans laquelle nous avons stipulé modicus qu'il ne fallait pas passer par un concours. Vous savez, nous sommes respectueux des tests. Le 15 novembre 2023, il y a eu un protocole d'accord tripartite entre le gouvernement, le syndicat, le patronat. Dans ce protocole d'accord, il était question d'organiser un test fermé, essentiellement pour les enseignants contractuels communaux en situation de classe qui, depuis plus d'une dizaine d'années, se sont donné corps et âme pour sauver l'école de la République. Mais très malheureusement, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a eu ce qu'on appelle un autre protocole additionnel que nous avons qualifié ici d'un protocole
violent ici, celui tripartite signé entre le gouvernement, le patronat et le syndicat. C'est ce protocole d'accord du 15 novembre 2023 qui a permis l'obtention de ces 35% d'augmentation de la valeur du point d'indice monétaire de tous les fonctionnaires guinéens. Alors pour nous, il était impératif que ce gouvernement mette en application ce protocole d'accord. Mais malheureusement, c'est ce même ministère du Travail et de la Fonction publique qui a pris du revers de la main ce protocole d'accord. En écartant, je dis bien en écartant expressément ou de façon délibérée un groupe d'enseignants contractuels communaux sous la base de quoi qu'ils avaient atteint les 40 ans. Mais tout en oubliant que ces enseignants contractuels communaux ont obtenu ces 40 ans en situation de classe. La preuve en est que c'est que affirmation du ministère du Travail et de la Fonction publique à travers son secrétaire général est de la mauvaise foi. Parce que nous avons vu la liste des candidats à ce concours organisé par la Fonction publique, des candidats qui avaient déjà atteint l'âge de 52 ans et qui avait 40 ans au plus. Alors, ces personnes ont été acceptées, ont postulé pour certains départements, mais quand il s'agit de ces enseignants qui sont venus peut-être à l'âge de 30 ans dans ces établissements, ayant fait 12 ans pour les uns et 15 ans pour les autres, ont obtenu ces 40 ans, ont été mis à l'écart. Pour nous, c'est de l'injustice et c'est de la mauvaise foi à nos yeux. C'est pourquoi, dans cette plateforme revendicative, nous avons demandé de respecter le protocole d'accord du 15 novembre 2023 qui demandait à ce qu'un concours fermé soit organisé entre ces contractuels communaux à l'intérieur du pays qui ont mouillé le maillot pour sauver l'école de la République et qu'il fallait repêcher ceux-là qui n'étaient pas à la hauteur parce que nous avons des institutions de formation telles que l'ISEG et l'ENI. Il suffit juste de 6 mois puisque la pédagogie n'est pas une science. L'apprentissage se fait dans le temps. On pouvait les former et les récupérer. Mais ce qui nous a encore le plus fâchés, nous ne savons pas si c'est qu'un concours ou bien si c'est une sélection. Nous avons vu des candidats ayant obtenu 16 gémoines, 14 gémoines et 13 gémoines récalés. Tandis que de l'autre côté, il y a des personnes ayant obtenu 11 gémoines, 12 gémoines qui sont admises. Et cela, nous jugeons cela comme étant une inégalité et une injustice. C'est pourquoi, advienne que pourra, quelle que soit la manière ou la forme, nous allons rétablir ces enseignants contractuels communaux dans leurs droits. Monsieur Bangoura, excusez-moi, je vais comprendre encore mieux. Quand on a organisé, lancé ce concours qui aboutit au recrutement de 10 000 du côté à l'endroit des fonctionnaires locaux à l'intérieur du pays, qu'est-ce que votre structure a pu mettre en place pour accompagner l'État afin que tout se passe dans des conditions meilleures? L'État s'est tapé la poitrine. L'État a organisé, comment dirais-je, cette pratique des classes sans associer le syndicat. Parce que en matière de syndicat, comme je vous le disais, c'est la représentativité. Ils ont envoyé des inspecteurs disciplinaires. Vous savez, au ministère de l'enseignement préuniversitaire, nous avons l'inspection générale de l'éducation où se retrouvent des enseignants qualifiés dans diverses disciplines. Donc ceux-là sont appelés inspecteurs disciplinaires. Ils sont allés sur le terrain, ils ont évalué la pratique des classes. C'est à partir de cette pratique des classes fait qu'ici, par ces enseignants disciplinaires que les résultats ont été publiés. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a 16 gémoines, 14 gémoines soit récalé et que celui-là qui a 11, 12 soit admis. C'est ce que nous n'avons pas compris. Le syndicat, à proprement dit, n'a pas été associé dans cette pratique des classes. Le syndicat, certaines fédérations se sont associées au MATD, à la fonction publique et au MEPUA pour la signature d'un protocole qu'ils ont appelé protocole. Est-ce que le syndicat n'a pas été associé? Le syndicat n'a pas été associé ou bien votre syndicat côté Aboubakar qui n'a pas je été associé? Je vous dis que le syndicat faut... dans la pratique des classes, j'ai été très clair, dans la pratique des classes, le syndicat n'a pas été associé. Je ne sais pas. À ma connaissance, s'il y a eu un représentant d'une fédération syndicale dans un établissement lors de la pratique des classes, ça, je ne suis pas informé monsieur, de cela. Monsieur Bangoura, s'il te plaît, un concours, c'est un nombre défini. On a dit 10 000. Vous l'avez déjà dit, 10 000 enseignants. Non, mais je ne l'ai pas dit. Fois, non, vous l'avez dit qu'il y a 10 000 qui ont été recruté selon le truc officiel. Donc, 10 000. Vous-même, nous tous, nous savons que c'est 10 000 qui ont été. On parle d'un concours. Donc, que quelqu'un ait
16 de moyenne et que sur 10 000 personnes ont déjà eu 16,50, je pense que là, le problème est résolu. C'est juste ma façon de voir. Oui. Et dans l'autre question, c'est vous dites qu'il faut recaler, il faut prendre ceux qui n'ont pas de niveau, après les former. C'est là que je me pose la question. Non, est-ce que vous êtes en train d'œuvrer pour la promotion de la qualité là? Je pense que vous utilisez des expressions qui ne sont pas venues de moi. Allez-y, on vous écoute. Vous savez, c'est pourquoi il y a un mécanisme qui est mis en place que nous appelons la formation continue. L'homme du berceau à la tombe doit aller à la recherche du savoir. Peut-être qu'il peut avoir une démarche pédagogique pas tout à fait normal chez l'enseignant, celui-là a besoin d'une formation pédagogique. Je n'ai pas dit, et je le répète haut et fort, qu'il faut aller prendre des enseignants sans niveau et les mettre en situation de classe. Je ne l'ai pas dit, rectificatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas aujourd'hui que nous allons dire que ces enseignants qui, depuis plusieurs années, se sont donné corps et âme pour sauver la République, l'école de la République, aujourd'hui nous allons nous dire que ces enseignants n'ont pas de niveau. C'est être ingrat quelque part envers ces personnes qui ont tant mouillé le maillot. J'ai tout simplement dit, la façon par laquelle ce recrutement a été fait, il y a eu en son sein de l'injustice. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un protocole d'accord signé le 15 novembre 2023. Protocole d'accord dans lequel il était question d'organiser cette pratique de classe fermée pour permettre ici le recrutement de ces enseignants. Mais il y a une chose qui n'a pas été dite et je pense bien que vous l'ignorez. C'est le lieu pour moi de remercier l'ancien ministre Guillaume Aouin qui avait réussi, connaissant le besoin d'enseignants de nos différents établissements d'enseignement élémentaire et secondaire, avait réussi à travers son DAF à obtenir un protocole d'accord avec le ministère du Budget pour le recrutement de 20 000 enseignants. Mais vous avez vu que ce gouvernement a été dissous, ce qui a prévalu au départ ici de M. Guillaume Aouin. Le ministre Paul Ségui qui est venu ne connaissait pas le dossier, il s'est retrouvé face à une situation et alors il fallait qu'il suive la cadence. C'est pour vous dire que ce protocole additionnel est à la base de ce qui va arriver à l'ouverture des salles de classe. Vous verrez que l'école de la République à l'intérieur du pays va encore souffrir. Bien, c'est pour cela que je vais vous poser la question de revenir un peu sur cette plateforme revendicative. C'est vrai que nous connaissons les 6 points, mais il y a des auditeurs et téléspectateurs qui ne savent pas réellement ce que vous réclamez au gouvernement. Bien, dans cette plateforme revendicative, le premier point s'articule autour de l'intégration de ces enseignants contractuels communaux de l'intérieur du pays, récalés arbitrairement. Je dis bien récalés arbitrairement et la reconnaissance de ces enseignants en situation de classe dans le Grand Conakry. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail fait semblant de nier l'existence de ces enseignants contractuels dans le Grand Conakry. Mais les directeurs communaux de l'éducation de la ville de Conakry et du Bruka et de Koya ne diront pas le contraire. Il existe dans ces établissements, dans les différentes communes de l'éducation de Conakry, là, des enseignants contractuels en situation de classe et qui continuent à mouiller le maillot. Ne pas les reconnaître, c'est que la mauvaise foi, c'est qu'une inégalité, c'est qu'une injustice. C'est pourquoi nous avons inscrit cela dans notre plateforme revendicative. Le deuxième point inscrit dans la plateforme revendicative, nous avons parlé de la révision du statut particulier de l'éducation qui, ma foi, semble être caduque. Un statut particulier signé depuis juin 2006, mais qui n'a jamais été mis en application. Donc, c'est qu'un statut particulier dépassé. Aussi, nous avons parlé de l'uniformisation des prix d'incitation. Vous allez comprendre ici que, avant d'être cadre d'une DPE, ou avant d'être cadre d'un établissement d'enseignement élémentaire et secondaire, on est passé par la salle de classe. Donc pour nous, c'est de l'injustice. Quand vous prenez le supérieur, même les recteurs perçoivent
cette prime d'incitation. Alors pourquoi pas l'enseignement préuniversitaire qui a mouillé le maillot pour l'obtention de cette nouvelle ligne budgétaire qu'on appelle la prime d'incitation. Donc nous avons demandé l'uniformisation de ces primes d'incitation pour tout le personnel enseignant, y compris le personnel encadrant. Et de l'autre côté, depuis 2018, il y a eu un blocus. L'avancement en grade et en échelon. Depuis 2018, nous n'avançons pas en grade, nous n'avançons pas, comment dirais-je ? En échelon ? En échelon. Donc voici ces quelques points qui sont inscrits dans la plateforme revendicative. Nous ne parlons pas d'un salaire exorbitant, mais nous parlons de ce qui est facile, puisque cela est spécifique seulement à l'éducation. Et je pense que ça ne doit pas pouvoir poser de problème au gouvernement si volonté y est. Alors, si volonté y est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de trop de demander au gouvernement? Le gouvernement vient de recruter 10 000 enseignants contractuels. Est-ce que la logique ne voudrait pas effectivement d'exiger du gouvernement tout au plus d'accepter ces enseignants comme étant des contractuels, autant pour le gouvernement de se préparer pour les recruter comme étant des fonctionnaires tout simplement au niveau de l'administration locale? Ça, c'est la première question. Avec la seule question d'abord. Il va répondre parce qu'on a l'invité qui s'impatiente au bout du fil. Allez-y. La première, si je ne trouve pas que c'est de trop, vous savez que le gouvernement lui-même a mis un mécanisme en place qu'ils ont appelé la fonction publique locale, où ce sont les collectivités qui vont prendre en charge ici ces enseignants contractuels communautaires. Et nous avons des recettes budgétaires. Il y a des recettes dans nos localités. Le gouvernement a décidé de privilégier le contenu local. Donc, à partir de ce contenu local, on peut obtenir quelque chose pour l'entretien de ces enseignants contractuels communautaires. Vous savez que c'est seulement spécifique à l'éducation. Donc, le budget ne sera pas énorme pour pouvoir affecter négativement le budget national. Bien. Il y a des lignes budgétaires. C'est quelque chose que je ne me permettrai pas de le dire, mais en 2018-2019, nous avons été à la Banque centrale, nous avons déballé le budget national. Nous savons qu'il y a des lignes qui existent, mais ces lignes ne sont pas dans les différents départements. Il y a de l'argent qui sort, nous le savons. Cet argent-là peut permettre à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs du système éducatif. Bien, puisque aujourd'hui, vu le SLEG menace, mais un collectif a été créé, collectif appelé collectif des anciens contractuels communaux non retenus. Aujourd'hui, ils battent le pavé du côté de Kaloum. On va essayer de prendre dans cette direction où nous attend Elage Mamadou Diakasso. Il est le porte-parole national des anciens contractuels communaux non retenus. Monsieur So, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Malgré la plateforme revendicative du SLEG, le SLEG qui menace, vous prenez votre destin en main et vous avez choisi d'aller rencontrer les autorités. Pourquoi? C'est parce que nous avons constaté que nous ne supportons pas le syndicat. Ils ont dit qu'ils vont nous accompagner, mais pour l'heure, on n'a pas vu d'action concrète en tant que telle. C'est la raison pour laquelle, vu l'annonce de l'ouverture le 25 septembre, nous avons dit qu'on n'a plus de temps pour ça. Il fallait battre le pavé. Je suis présentement au niveau de son poste maintenant de la présidence, comme ça, avec une forte mobilisation. Malgré la pluie, tout le monde est venu de Massanta, de Mangana, de Terekaria, de Bidioka, partout en fait, les 33 préfectures sont représentées. C'est pour plaider en faveur de l'engagement des anciens contractuels, qui ont reconnu parce que nous avons été injustement écartés du processus de protection. En aucun cas, il est mentionné dans le protocole additionnel que Dieu nous allait être reconnu. Mais plutôt toutes les personnes qui sont dans les normes, qui ont passé les procédures et qui ont réellement de bons diplômes, allaient être reconnues. Mais fort malheureusement, il y a la publication qui est faite. On a sélectionné 10 au détriment de 18, on a sélectionné 14 de 15. Donc nous voyons des vulnérabilités de partout. C'est ce que nous réclamons, c'est que nous sommes rétablis dans le droit. Sinon, nous n'allons pas accepter l'ouverture de classe. Et les conséquences, vous savez ce qui va en découler en fait.
Si vous dévancez aujourd'hui le SLEG, est-ce que vous avez eu à rencontrer quelques autorités dans le... Nous avons rencontré pratiquement la majeure partie des DPC. Nous avons rencontré le ministre de l'Enseignement universitaire, le président Pocelli, qui est le ministre de l'Hôpital. Nous avons également rencontré plusieurs personnalités, même avec M. Simadon de Paris, avec M. Étangé, l'enseignant de Vétan. Nous avons échangé avec... Monsieur Balamou du FNI, Sadia Kouba, nous avons échangé également avec On a déposé le premier parti en fait. On a échangé également avec le comité du ministère, déplacé pour partir jusqu'à Tanéné. Donc on a déposé au niveau du CNP parti en fait. Est-ce que au niveau des autorités, vous avez déposé, seulement les courriers, vous avez Je pense qu'il ne te reçoit pas. Monsieur So, vous êtes là? C'est ça. Est-ce que vous avez la question que moi je voudrais savoir, est-ce que vous, parce que vous avez déposé juste les courriers ou bien vous avez échangé avec les autorités? La partie là est importante, avec je pense. Par exemple, l'enseignement pré-universitaire, nous avons échangé. C'est pas simple pour nous, mais on a échangé. D'accord. Personnellement, moi j'ai échangé avec lui en compagnie de certains membres de mon équipe. Donc, on a dit que lui-même, Bon. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais ce qui est clair, ce n'est pas le résultat ici de pratiques de passe, d'accord ? C'est une sélection qui a été faite. Qu'est-ce qui vous a été dit par Aboubakar Souma ? Oui, qu'est-ce que vous a été dit par le camarade Aboubakar Souma quand vous l'avez rencontré ? Le camarade Aboubakar Souma a dit de patienter, mais on ne pouvait pas continuer. On est derrière lui, d'accord ? Parce qu'il nous soutient. Mais on ne pouvait pas continuer dans cette patience au risque de voir notre carrière éclore. Bien, donc vous êtes à l'instant même devant la présidence de la République, c'est à Kaloum. Oui, nous sommes à l'instance de l'Est, nous sommes à l'instance de la présidence. Bien, merci. Merci et bon courage à vous. Bien, merci et bon courage à vous, Monsieur So. Je rappelle que vous êtes le porte-parole national des anciens contractuels communaux non retenus. Vous l'avez écouté, Monsieur Bangoura, un collectif qui a pris les devants. Hein. Est-ce que le SLEG était au courant de cette marche pacifique? Il y a presque 2 à 3 jours, je n'échange pas avec le camarade secrétaire général, vu le deuil au sein de ma famille. Donc, voilà. Il faut, il sait que ce que le porte-parole du collectif des enseignants non retenus ne comprend pas. Quand nous parlons des patience, vous savez, en matière syndicale, il y a la démarche à suivre. Ne dit-on pas que qui agit conformément à la loi est protégé par cette même loi. Nous sommes des syndicalistes aguerris et expérimentés. Nous ne pouvons pas déclencher une grève brusquement. Il faut suivre la procédure. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous avons déposé cette plateforme, et dans cette plateforme, le premier point inscrit qui sera non négociable, c'est le cas des enseignants contractuels communaux. Nous avons déposé la plateforme. Si d'ici l'ouverture des salles de classe, la plateforme restait lettre morte, c'est en ce moment que nous allons adresser un préavis de grève de 10 jours évreux. Si après ces 10 jours évreux, ou au cours de ces 10 jours évreux, le gouvernement restait sous silence, là, en ce moment, le SLEG déposera un avis de grève et personne ne dira que oui, le SLEG a violé la démarche syndicale ou a violé les tests de la République. C'est pourquoi nous avons demandé à Diakasso de patienter. Mais je comprends, nous les comprenons, ça fait mal. Lorsque pendant plusieurs années, vous vous donnez corps et âme et qu'à la dernière minute, à cause d'un protocole additionnel venu de je ne sais où, on vous écarte. Après la partie des classes, quand vous avez obtenu 15-16 gémoins, en ce moment, ce n'est plus un concours, c'est qu'une sélection. Et c'est ce que je l'avais dit dès la première guerre, les premiers jours de la publication de ces résultats. J'ai dit que ce n'était pas un concours, c'est qu'une sélection. Et voilà, M. Diakasso, qui a le soutien du syndicat libre des enseignants de Guinée, vient ici de le démontrer. Nous les accompagnons dans leur démarche, mais puisque nous sommes une fédération syndicale agissant conformément à la loi, nous les demandons toujours de garder patience jusqu'à ce que nous déposons le préavis de grève de 10 jours évreux. Si le gouvernement ne faisait rien, nous allons encore déposer cet avis de grève et dans l'avis de grève, qu'ils comprennent que le premier point nodal qui sera
non négociable sera leur intégration à la fonction publique locale. Alors, leur intégration à la fonction publique sans un concours des nouveaux ou tout simplement... Qu'est-ce que vous appelez concours? C'est qu'une sélection, ce n'est pas un concours. Non, pour nous, c'est un concours. Non, c'est un concours, c'est ce qui a été dit. C'est l'autorité. Moi, je fais recours au protocole d'accord du 15 novembre 2023. Je ne fais pas recours à ce protocole additionnel qui est en train de nous conduire vers la merde. C'est ce protocole d'accord additionnel qui fait aujourd'hui que des enfants guinéens qui se sont donné corps et âme sont dans la rue sous la pluie. On ne devrait pas en arriver là. Il y a un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement, le patronat et le syndicat. Le gouvernement n'aurait pas dû accepter d'aller signer un autre protocole d'accord qu'ils appellent protocole d'accord additionnel qui a écarté des enseignants qui pendant plusieurs années se sont étaient en situation de classe et qui ont eu 40 ans dans ces classes, mettre de côté des personnes qui se sont donné corps et âme pour sauver l'école de la République. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. La faute incombe au ministère du Travail et de la Fonction publique à travers son secrétaire général. Donc nous, syndicalistes, nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous partageons leur peine, mais nous sommes dans l'obligation de suivre la démarche syndicale car nous sommes respectueux des tests régissant le fonctionnement de notre fédération, mais aussi des tests juridiques régissant le fonctionnement de la République de Guinée. Nous allons les accompagner, nous ne sommes pas pressés. Nous savons que quand le SLEC déposera son avis de grève, c'est en ce moment que le gouvernement se lèvera, mais il sera déjà trop tard pour eux, parce que la question de ces enseignants contractuels communaux écartés arbitrairement sera non négociable. Alors, il y a eu des changements, vous l'avez rappelé ici, la dissolution du gouvernement. Au niveau de ce protocole d'accord initial que vous aviez signé avec le gouvernement à l'époque, il y avait un secrétaire général au niveau du département qui n'y était pas. Est-ce que ce changement n'a pas impacté un peu le déroulement normal de du respect de ces protocoles d'accord-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez tantôt de l'implication de l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire. Dites-nous, à date, quel est le niveau d'implication de l'actuel ministre, en l'occurrence Jean-Paul Seydi? Bien, pour répondre à votre première question, lorsque le gouvernement a été dissous, il n'y a pas eu à la fonction publique un changement de secrétaire général. C'est le même qui est resté, M. Aboubakar Kourma. Il n'y a pas eu de changement à la tête de ce département. Et lorsqu'il même il y a eu permutation entre les secrétaires généraux, ce monsieur est resté. Donc, il connaît parfaitement ce dossier. Je le dis encore, c'est de la mauvaise foi de ce monsieur. C'est lui encore qui a osé, au cours d'une conférence de presse, nier l'existence des contractuels de Conakry. Voilà, c'est ce qui allait me pousser à vous poser aujourd'hui la question par rapport à cela. Est-ce que cela ne veut pas dire aujourd'hui que le gouvernement n'a vraiment pas envie de vous écouter par rapport Pas le gouvernement, mais plutôt... Mais il parlait quand même au nom du gouvernement. Vous savez que nous avons une arme qui les obligera à nous écouter. Nous allons nous faire entendre. Je vous le répète, le droit, il ne se donne pas. Le droit, il s'arrache. Ce droit, nous allons l'arracher. Le gouvernement En perturbant les cours. Non, arrêtez. Au détriment des... Oui, paralysant. Non, en paralysant les cours. C'est la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les mots ont l'air pesant d'or. Arracher aussi. Arracher. N'est pas aussi négligé. Vous avez dit arracher le droit. Donc, en paralysant les cours. Attendez, vous êtes peut-être pour ceux-là qui Non, nous comprenons bien. Non. Vous voulez que vos auditeurs comprennent et que vous voulez vous aussi comprendre. Nous ne perturbons pas. Nous arrachons notre droit. Par quels moyens nous arrachons nos droits? Nous ne prenons pas des armes. Nous ne caillassons rien. Oui, mais c'est en perturbant s'il vous plaît. Ou en les paralysant. S'il vous plaît. La manière pour nous faire entendre, c'est de rester chez nous à la maison. En paralysant les cours, cela va paralyser. Arrêtez de dire en paralysant les cours. Si vous êtes à la maison, est-ce que là, les enfants ne vont pas suivre les cours? Je pense que vous utilisez des expressions dont vous-même, certainement, prêtez-nous vous ne voyez prêtez-nous pas. Des expressions. Nous allons en grève. Nous demandons à nos amis de rester à la maison. Pour éviter cela, qui doit éviter que le syndicat ne déclenche une grève?
C'est le gouvernement. Je voudrais vous faire... Non, attendez. Nous ne pouvons pas les mettre la corde sur le cou du gouvernement pour dire, venez, on va négocier. La seule façon de nous faire entendre, c'est de déposer un avis de grève. Ce droit, personne ne vous l'enlève. Personne ne peut nous arracher mais ce droit. Mais vous avez dit quelque chose avant de commencer la négociation. Avant mais que quand vous n'arrivez... parlez d'une perturbation, mais... qui doit éviter la perturbation? Mais avant... la perturbation, mais... elle est là. Nous avons déposé une plateforme revendicative. Si ces personnes-là sont conscientes et soucieuses du devenir de ces enfants qui sont dans nos établissements d'enseignement élémentaire et secondaire public, c'est d'éviter ça. Parce que eux, leurs enfants ne sont pas ici. Ils étudient dans des écoles françaises. C'est pourquoi ils n'ont aucune considération pour nos enfants. Des enfants des pauvres qui sont dans ces établissements d'enseignement élémentaire et secondaire public. Arrêtez de vouloir les défendre. La on défend les enfants. Oui, les enfants. Vous ne défendez pas les enfants. Vous ne défendez pas les enfants. Si vous voulez défendre les enfants, si vous voulez défendre les enfants, vous devrez appeler le gouvernement à ouvrir très rapidement un couloir de négociation. C'est pourquoi on vous a donné la manière la plus simple et la plus légale pour vous de défendre ces enfants. Nous, nous sommes des syndicalistes. Partout dans le monde, lorsque le syndicalisme ne se fait pas entendre, il est tenu obligé d'utiliser en dernier recours son arme la plus fatale. C'est ce que nous ne souhaitons pas. C'est pourquoi nous avons déposé une plateforme revendicative. Et je vous ai dit, si le gouvernement faisait la sourde oreille face à cette plateforme revendicative, nous allons déposer un préavis de grève. Ce que vous devrez comprendre, le préavis de grève ne déclenche pas la grève. Nous sommes d'accord. C'est un autre moyen aussi de privilégier le dialogue. C'est un autre moyen de sauver l'école de la République. Mais si toutefois... Pardon, de talonner aussi, de dire au gouvernement, prenez vos responsabilités, écoutez le syndicat. Il n'est pas forcément dit que c'est dans l'immédiat que vous devrez trouver la solution. Maintenant, si le gouvernement continue à faire la suite de reste, c'est en ce moment que nous serons dans l'obligation de déposer cet avis de grève. Et je crois que personne en République de Guinée, je dis bien personne en République de Guinée, ne pourra condamner le syndicat libre des enseignants et chercheurs. Aidez-moi à comprendre, vous avez dit quelque part dans votre expression tout à l'heure, peut-être je n'ai pas bien compris, bien saisi, en disant qu'il y a des points non négociables. Est-ce qu'on peut, ces points non négociables, c'est dans ce cadre-là que vous parlez de la formation de ceux qui n'ont pas été retenus, une formation non, pour non, eux de six non, mois non, ou quoi leur engagement. Leur engagement. Non. La question même d'abord, elle n'est pas. J'ai dit un point non négociable. Oui. L'engagement de ces enseignants contractuels communaux non retenus. Mmh. Ce point sera non négociable. Mais avant même les, avant même les négociations, vous allez lancer quelque chose, vous dites déjà que c'est non négociable. Est-ce qu'on peut parler de dialogue si vous avez une position déjà connue, une négociation? C'est parce que vous n'avez aucune notion, vous n'avez aucune notion sur la guémage syndicale, c'est pourquoi ces telles questions viennent. Aidez-nous à comprendre. Non, ce n'est pas ici que je vais... Le syndicalisme, ce n'est pas la portée de tous les Guinéens. De toute façon, les éléments sont clairs. Non, mais, en matière de... D'abord, on n'a pas besoin de comprendre tout ça. On va l'écouter. Allez-y, comprendre que mon temps, il est très court. Là, maintenant, je devrais être au symposium de mon défait oncle. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans trop de choses. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour, hors antenne, de parler de la guémage syndicale. Lorsque nous parlons d'un point non négociable, le point nodal, il est non négociable dans la mesure où nous savons que ces enfants, ces jeunes Guinéens, et vous êtes conscients, parce que quelque part en République de Guinée, vous avez un parent parmi ces jeunes. Depuis 2018, se sont donné corps et âme pour sauver l'école de la République. Et un beau matin, à cause d'une mauvaise foi et à cause d'un protocole additionnel venu de je ne sais où, ces jeunes sont écartés. Pour nous, c'est injuste et c'est incompréhensible. C'est pourquoi nous demandons que ces jeunes qui ont tant mouillé le maillot pour sauver l'école de la République, je ne sais pas si une fois vous avez quitté Conakry pour l'intérieur du pays, pour aller dans l'une des dernières sous-préfectures de la Guinée. Nous sommes tous nés à l'intérieur du pays.
mais vous n'avez pas visité ces écoles. Vous connaissez Sanda dans Kindia? C'est dans le Gomba. Donc j'y étais. Imaginez-vous. C'est juste un exemple sur mille. Voilà. On fait les immersions. J'ai parlé avec Si. Merci. Bah bien. Il y a des gens qui n'ont pas. Si vous allez dans ces endroits. Je suis allé à Baloma. Si vous allez dans ces endroits. Il n'y a aucun enseignant là-bas en plus. Il n'y a aucun enseignant contractuel à Baloma. Il y a une école? Oui, il y a une école primaire. J'ai les archives. Si vous voulez, je vous les montre. Il y a une école. Et qui est enseignant de cette école? C'est la communauté. Ce n'est pas vous, lui-même il le fait parce que... C'est ceux-là que nous appelons enseignants communaux. Merci. C'est ceux-là que nous appelons enseignants communaux. Merci. Voilà, si celui-là aujourd'hui est mis à l'écart, pensez-vous que vos enfants, ces enfants qui ont droit à l'éducation, vont continuer à percevoir cette éducation? Voilà, c'est ce qu'il faut réparer. Ce sont ces jeunes-là qu'on appelle enseignants communaux. Ils ont sauvé l'école à l'intérieur du pays. Vous pouvez voir une école de 6 classes où il n'y a qu'un seul enseignant qui est en même temps maître et directeur. Mais quand cet enseignant abandonne parce qu'il s'est vu écarté à cause d'une mauvaise foi et d'un soi-disant protocole additionnel, quel sera le devenir de ces enfants? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces 10 000 personnes alors? Parce qu'on parle d'enseignants contractuels à Conakry. Je vous dis, le paradoxe là. Je vous dis, l'école, en décembre, le 31 décembre, des enseignants iront faire valoir leurs droits à la retraite. Il y aurait un besoin. Le concours organisé par la fonction publique elle-même pour le recrutement de nouveaux enseignants, nous sommes en Guinée, on se connaît. C'est la voie d'entrée pour certaines personnes à la fonction publique. Pensez-vous que ces personnes-là vont accepter d'aller dans le confins de la République enseigner? Croyez-vous en cela? Ça ne se fera pas. Il faut en être sûr. Il faut être convaincu que cela ne se fera pas. Alors si vous mettez à l'écart ces enseignants, dites-vous que nos apprenants dans les confins de la République vont perdre. Bien. Ce qui est compliqué. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi nous disons que ce point sera non négociable. Vous dites que nous voulons perturber. Non, nous pensons à ces enfants qui sont à Panziazo. C'est à eux que nous pensons. Allez-y dans ces écoles. 6 classes pour une seule personne qui n'est même pas fonctionnaire. Et c'est cette pauvre communauté qui collecte des fonds pour l'entretien de ces enseignants. Et il y a une opportunité, non seulement pour décharger la communauté, mais il y a une opportunité pour que cet enseignant-là dise « Alhamdoulilah ». Et avec de la mauvaise foi, on écarte cet enseignant. Il faut avoir une pierre à la place du cœur pour ne pas comprendre la peine de ces enseignants. Bien, vous défendez l'école de la République. Est-ce que, si tel est le cas aujourd'hui, votre démarche ne semble pas être exclusive parce que, vous vous rappelez ici, et nous le savons à l'intérieur du pays, il y a de ces écoles-là qui n'ont pas d'enseignants ou qui n'ont plus d'enseignants. Est-ce que la logique ne voudrait pas aujourd'hui que vous incluiez tout cela dans votre revendication pour pouvoir savoir exactement le nombre d'enseignants qu'il faut sur toute l'étendue du territoire national et en faire ce qu'on appelle une exigence vis-à-vis du gouvernement? Vous savez, le syndicat, c'est vrai, il défend le travail et le travailleur. Mais le syndicat ne joue pas le rôle du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ce n'est pas vous alertez. Nous sommes une force d'alerte. Merci. Et de proposition. Merci. Nous l'avons fait en la faveur du recensement. Nous avons localisé toutes les écoles en gare. Nous avons localisé tous les enseignements, les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire. Nous avons alerté sur la présence des fictifs. Nous avons alerté sur le nombre qu'il fallait pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Quel est ce nombre, s'il vous plaît? Ce n'est pas nous. Bon, hier et aujourd'hui diffèrent. Ça, c'est qu'en 2020. Nous avons alerté. Mais si le gouvernement ne prend pas sa responsabilité, c'est pourquoi, pour sauver cette école, nous avons demandé expressément qu'il fallait d'abord organiser ce concours fermé pour ces enseignants contractuels communaux et maintenant organiser un concours ouvert pour un complément d'effectifs. Mais vous avez compris qu'ils ont préféré faire ce concours ouvert avant de procéder
à ce concours fermé. C'est pour vous dire que quelque part, il y a de la mauvaise foi. Mais il faut une conscience, une prise de conscience pour que nous puissions sortir de ce manque criard d'enseignants dans nos établissements. Nous sommes vraiment pris par le temps. On a déjà même grignoté une minute et quelques secondes. Monsieur Mohamed Bangoura était notre invité. Il est le chargé de communication du SLEG, dirigé par Aboubacar Souma. Merci, monsieur Bangoura, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci, Yaya Diallo. Merci, Abdallah. Merci, Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci à Mohamed Ba, le PM que nous allons tout à l'heure retrouver à la radio au compte du deuxième flash de la journée. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, on se reprend demain même fréquence avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.